Coucou la compagnie. On espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve au parc Astérix pour la nocturne de Peur sur le parc. Bon, nous avons passé les tourniquets de l'entrée. On a eu un petit bracelet bleu pour Peur sur le parc. Donc dès que vous passez l'entrée, en fait, vous allez voir, vous arrivez sur une entrée vraiment ultra décorée de malade mental. Vous avez ici, juste derrière moi, le plan qui ressemble à ça, voilà. Vous avez le plan du parc d'un côté, bon ça c'est ma tête. Vous avez le plan du parc, les attractions, bref, toutes les animations qu'il y a de disponibles sur le parc, pour Peur sur le parc, tout simplement. Donc là on va avancer directement, vous rentrez tout droit, et c'est pas deuxième étoile jusqu'au matin, mais c'est deuxième menhir jusqu'au matin. Bref, on y va, on avance, direction le parc. Juste derrière moi, au théâtre panoramique, c'est bien, vous avez Mania Maleficus, un spectacle que je vous avais déjà parlé lors du programme Halloween 2022. Donc il s'agit d'un spectacle de magie. On va aller un petit peu plus loin dans le parc, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire sur Peur sur le parc. Donc on va évoluer un petit peu dans le parc et on va s'arrêter de temps à autre, parce que c'est un vlog chill que je vous offre aujourd'hui. Vous allez avoir des feux rouges. En fait, ces feux rouges, c'est pour dire les grosses frayeurs, moyennes frayeurs et pour les petits, quoi. Si vous voyez que c'est feu vert, pour toute la famille, vous pouvez assister à ce spectacle. Si c'est rouge, ouais, attention, peut-être vos enfants risquent de faire des gros cauchemars, donc peut-être c'est à éviter, c'est à voir. Juste à titre d'information, au niveau feu vert, il n'y a pas grand-chose, c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un. C'est à la recherche du Farfadet, je crois, qui se trouve à la forêt d'Idée Fixe. C'est la seule chose en vert, le reste c'est orange et rouge. Donc pour le coup, soyez vigilants, ça peut faire des frayeurs et avoir les choses que moi j'ai, une coulrophobie. Donc pour le coup, soyez vigilants, on sait jamais. Ça, c'était la petite part sécurité pour les parcs. Attention, ça reste quand même bon enfant. Ils vont pas vous taper, ils vont pas vous mordre. Ils vont pas vous faire de mal. Ça reste soft. Mais c'est vrai que c'est pas là où j'emmènerai un petit 4 ans. Bon, on est tombé sur la rue de Paris. En temps normal, il n'y a pas autant de toiles d'araignées. Là, je dois dire qu'ils ont fait le paquet. Hein. Oui, d'ailleurs, j'avais même pas vu. Il y a des grosses toiles d'araignées partout. Et en plus, on est tombé sur une prisonnière un peu chelou. Je vais vous montrer ça. Allez, vas-y, chérie. Un vrai homme magnifique. Allez, je suis tout de suite pour la déclaration. Ah, c'est vrai qu'il a dit ça. Fais comme si c'était moi, ça passe crème. Bah, j'ai jamais fait déclaration d'amour. J'ai jamais fait déclaration d'impôt. Ouais. Déclaration d'impôt. Répétez après moi. Je déclare. De vous aimer. De vous aimer. Et de vous haïr. Et de vous haïr. Avec toute la force de mon âme. Avec toute la force de mon âme. D'ici à l'éternité. À l'éternité. Oui. Je vais t'embrasser, mon diva. Oui, oui, oui. Elle va te faire la vie. Est-ce que vous m'avez resté comme ça pendant longtemps? Oui, parce que je suis passé là. Allez. Aïe, aïe, aïe. Dégagez maintenant. L'apparence effrayante, un fond d'humanité. Mais chez cette créature, rien de rien, juste un fond de cruauté sans limite. Bienvenue. Bon, comme vous avez pu voir, la sorcière est possible.
possédé. On l'entend avec sa voix très aiguë, puis très très, on va dire, grave. Du coup, question, tu parles de quelle sorcière ? Oui, parce que je fais partie des sorcières, voyez-vous. Elle m'a reconnue, je fais partie de son clan. Bon, bref, là, on s'en va vers la malédiction du Sirius. Si vous ne savez pas trop ce que c'est un navire qui a disparu il y a des années suite à un empoisonnement de l'équipage qui les a rendus un peu zombies. Donc on va y aller, on va les voir, et c'est une ambiance DJ set live puisqu'on est en nocturne, les amis. Donc on va aller voir ça. C'est parti, let's go. Bref, la file d'attente, vous la voyez devant moi. On arrive sur une petite cahute, vous pouvez y manger. En vlà une bonne nouvelle pour les gourmands. En nocturne. Il n'y a pas d'autre spectacle, c'est que celui-ci. Par contre, je le trouve vraiment très très bien. Pourquoi ? Parce que on a des intervenants, des performeurs qui vraiment vous arrivent mais pleine balle au moment où vous y attendez le moins. Ceux qui descendent du ciel sont très impressionnants. On a un rythme endiablé, on a un DJ qui mixe parfaitement bien, des jeux de lumière, des jeux de fumée. Attention, je dois mettre en garde sur un point, c'est l'épilepsie photosensible. Fuyez ça, vous ne serez pas bien du tout, vous pourrez faire une crise, alors faites attention à vous, votre santé est importante. Toutefois, franchement, je vous recommande la malédiction du Sirius en spectacle nocturne. En revenant, on a été à la table des chevaliers. Donc pour le coup, il y avait un menu spécial Halloween. Le dark. Un pain noir. Pain noir, poulet, salade, tomate, cheddar, voilà. Une frite et une boisson pour 15,50€. Vous avez votre menu avec la boisson, le cheese, les frites. Donc c'est assez complet. Et moi personnellement, j'ai préféré prendre un menu Obélix parce que le pain noir, je n'y arrive pas. Et évidemment, il y a du poulet. Hop. J'ai l'impression que c'est un resto un peu poulet. Hein. Très poulet. Très poulet. Donc tomate, salade, cheddar, voilà. Comme l'autre, mais avec du pain blanc, hein, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là, on va se faire une petite pause dans cette soirée et puis on va revenir juste après. Pour les repas, vous en avez un peu partout. Nous, pour la halte des chevaliers, c'est un restaurant que j'aurais tendance un peu à vous conseiller. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas forcément onéreux. Déjà, Astérix de base, pour la restauration, n'est pas onéreuse, contrairement à d'autres parcs d'attractions, tout simplement. Et pour 1,90€, eh bien du coup, vous avez votre dessert.
Je vous conseille totalement la halte des Chevaliers. Nous avons fini de manger et pile poil au moment du spectacle Inferno. Inferno, pour replacer, resituer un peu, c'est de la jonglerie avec du feu, tout simplement. On va voir ensemble ce que ça donne du coup pour le spectacle. Je pense que ça va être assez sympathique. Inferno, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment un magnifique spectacle, vraiment de feu, de jonglerie avec du feu, et sincèrement ça vaut le coup. Vous pouvez le voir que lors des nocturnes, ça c'est le seul inconvénient. On répondra à la question est-ce que ça vaut le coup ou pas les nocturnes à la fin. Une fois Inferno passé, les flammes de l'enfer, on va aller voir les clowns. C'est pas ce qui me ravit le plus, vous savez à quel point j'ai peur. Mais bon, on va faire genre Warrior. Allez, c'est parti, je vous emmène voir la foire aux citrouilles. Ah oui, il t'a bien croqué là. Ah oui, là, il t'a bouffé même. Il a croqué mon micro. Je confirme, t'as de la bave pour tout simplement voir le spectacle nocturne qui est seulement en nocturne, comme son nom l'indique, hein, du coup. Bravo. Merci, merci. Amine, voilà, dans toute sa splendeur. Merci. On se retrouve sur l'attraction Osiris, parce qu'on va voir un spectacle de son et lumière, donc on y va, c'est parti, let's go.
Le spectacle d'Osiris est un spectacle magnifique et qui est fait sur la façade en fait de l'attraction Osiris, comme vous avez pu le voir. Un très beau spectacle mélangeant son et lumière avec deux gros petits feux d'artifice qui m'a légèrement surpris. Vous pourrez voir un petit sursaut. On vient de regarder la danse des morts vivants. Alors la danse des morts vivants, c'est quoi? C'est un spectacle de danse, comme le nom l'indique. Et bien évidemment, et comme son nom l'indique aussi, ce sont des morts vivants. Donc pour le coup, nous avons apprécié parce que les musiques, c'est sur fond de Thriller de Michael Jackson remixé. Donc pour le coup, c'est plutôt sympa, c'est entraînant. Là, vous avez un mort vivant. Mais niveau danse, c'est pas trop ça pour lui. Donc deux spectacles se succèdent, puis après il y a une pause de 1 heure directement. Donc pour le coup, c'est un spectacle qui se trouve avant la rue de Paris, juste au niveau des tours amoureuses, tout simplement. N'hésitez pas à le faire, franchement c'est super sympa, nous on a apprécié. Le village gaulois. On a été faire un petit tour, vous pouvez voir sur les vidéos qu'il n'y a pas grand monde, ce qui nous a fait beaucoup de bien parce que le reste du parc était blindé de personnes. Concrètement, en nocturne, ça, il faut vraiment penser que vous allez avoir le max de monde. Et c'est un public assez jeune, j'entends par là beaucoup d'ados ou de jeunes adultes. Et concrètement, ce soir, ils avaient la gouache, hein, ils avaient la patate. Donc pour le coup, j'ai envie de vous dire, si vous voulez plutôt du soft et du calme, va peut-être falloir partir plus sur le village gaulois. Là, vous serez tranquille, vous pouvez le voir, comme je vous l'ai dit, il n'y a personne. On arrive à la fin de cette nocturne et pour clore cette journée, ou du moins cette soirée, eh bien, on va finir par quoi? La parade! Oui! Donc on y va, c'est parti, direction la parade! C'est la fin de cette nocturne sur Peur sur le parc, au parc Astérix. Alors pour Halloween, là en conclusion, je vous conseille d'y aller fortement. Ce serait une erreur de ne pas faire ce parc. Si vous aimez en tout cas l'ambiance Halloween, si vous aimez vraiment du Halloween, du vrai, vous savez qu'il vous fout les chocottes à mamotte, c'est là qu'il faut aller, tout simplement. Tout simplement, si vous voulez affronter vos peurs, bah c'est le parc parfait, quoi. Oui. Franchement. Bah oui, foncez allez-y. Directement. On a passé une méga bonne soirée. Si vous n'êtes pas spectacle, eh bien vous êtes attraction et vous avez tout à fait le droit d'y aller. Vous pouvez profiter. Toutefois, attention, il y a beaucoup d'attentes. Moi, je vous conseillerais plutôt de faire ça en journée. Faites une journée entière et une longue journée. Vous savez, des fois, le parc ferme à 22h. Bah, je vous conseille plutôt de prendre cette phase-là de peur sur le parc. En attendant, j'espère que ce vlog vous aura plu. Nous, on vous fait de gros bisous. On vous dit à la prochaine pour de prochaines aventures. On vous fait des bisous. Et surtout, gardez le sourire. Allez, ciao la compagnie. Down, and the shadows above the town, I can find